Oui, F1 Delta, Romeo, Romeo, il y a beaucoup de monde. F1 Delta, Romeo, Romeo, salut Daniel, 59 013 0 unité 3, Juliette Novembre, 15, Echo Québec, Roger. Roger, salut Ouais, faut pas que tu t'étouffes déjà avec le numéro 1 parce que tu vas pas aller beaucoup, bien loin. Salut Daniel, bonne continuation. Ah, salut ex monsieur le président. F6BYJ, je te passe 59056, 59056, en Juliette Novembre 15, Echo Québec. Roger. Ok, 73-88, Jean-Paul. Belle conteste, appel conteste, F8, bravo Papa Novembre. France 8, bravo Papa Novembre. Portable 19, la Corrèze, appel conteste et passe à l'écoute. Sierra India Uniforme, bonjour, vous êtes 59-252-252 en JN15, Éco-Québec. JN15, Éco-Québec, Roger. Qui vient faire un reportage? Bon alors, Philippe, ce contest. Tu viens toujours à la fin du contest, hein? Je viens toujours à la fin du contest, oui. Tu viens voir comment on travaille? Oui, exactement, voir comment ça se démonte. Et puis que tu puisses faire voir à tes copains comment tu démontes. Alors, pour le démontage du contest, on a fait 318 QSO, 413 km de moyenne. Et le DX, il a 864 km le plus loin, un allemand. Et puis celui d'avant, c'est un sardaignois, c'est comme ça qu'on dit, hein. Un sardaignois un peu à 800 de poussière. C'est bien passé. On a testé le groupe électrogène de Gros DE, un groupe top budget de chez Lidl, qui a remarquablement bien fonctionné parce que le PA était nominal pendant toute la. Pendant tout le service, il était à 90% de sa capacité. Bien. On va dire ça comme ça. Vous avez été combien d'opérateurs? Nous avons été 4 opérateurs. Dans l'ordre F5DE. Faire passer les dames. Ah oui, F8BPN, pardon, en premier, puisque c'est l'indicatif qui a été utilisé, c'est celui de Mauricette. F8, bravo Papa Novembre. Il y a des raisons pour ça? Non, comme ça, parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de concours en multi-opérateur sous son indicatif. Donc 8BPN, F5DE, F6 Golf Oscar Echo de la Mazière Haute en bas, Yann, et puis F6 Echo Tango India. Echo Tango India. Voilà. Alors, tu me poses la question et puis je te réponds. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce, concours? Ça marchait bien mieux que l'année dernière, puisqu'on a fait une fois et demie ce qu'on a fait l'an dernier. On a fait 130 000 points au lieu de 82 000. On a fait 62 ou 63 ou 65 même locator au lieu de 58. Et donc au lieu de 213, on a fait 318 QSO. Conditions de propagation semblaient intéressantes. Il y avait une participation, mais enfin à longue distance. Parce que pour faire 400 km de moyenne, c'est pas les gens qui sont à 100 km qu'on contacte. Donc il y en avait peu de stations proches et beaucoup de stations lointaines. WX? Non, radieux. Trop chaud pour moi. Trop chaud pour Gros DE. Trop chaud pour démonter. Et puis, c'est encore un fabuleux moment de radio. Et figure-toi, pour assurer des gens qui n'y croiraient pas forcément, c'est qu'on a fait des QSO avec de la radio. Vous savez, vous branchez un poste sur une antenne, vous appelez, il y a des gens qui vous répondent, vous tournez le bouton du VFO, vous entendez des gens qui appellent, vous leur répondez, c'est absolument magique. Et à côté de ça, il y en a qui vont aller chercher ils vont aller solliciter des contacts sur des moyens non amateurs, tu sais, de l'internet et tout ça. C'est pas de la radio, ça. Ah, c'est pas de la radio, ça. D'accord. Hein, c'est n'importe quoi. Je me doutais bien. Où allons-nous? Où allons-nous? Mais que fait le REF?
Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, que c'était bien, on est heureux. Oui. Et puis la vie est belle. Et merci Raymond. Ici? Ici, ici, c'est la Corrèze. Ici, ici, c'est la Corrèze. Et vive la Corrèze. Yes!